Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Buena Festa TV avec Tinan, qui est mon invité ce soir. Donc bonjour Tinan, comment tu vas ? Bonjour tout le monde, bonjour Manikeo, ça va très bien et toi ? Bah écoute, très très bien, hein. Moi, je suis super content de te recevoir. Alors, je précise à tout le monde, c'est une émission qui est en direct, que je réalise seul. Cathy devait être là pour m'assister, malheureusement elle est tombée malade, donc j'espère qu'elle ira mieux bientôt. Donc voilà, on va essayer de faire un truc super interactif, moi manette, toi direct en réponse. Pas de problème, ça roule. Alors, tu es venu pour le lancement de ton premier livre. Oui exactement, donc mon livre qui s'intitule Magnitude 7.3, publié par Alma Éditeur, qui sort demain dans toutes les librairies. Alors, demain, c'est-à-dire jeudi 6 octobre. Ah, c'est ça, j'ai une Alclus, là, on voit la couverture à côté de toi sur l'image. Donc, c'est un bouquin que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Merci. Avec pas mal de rebondissements, parce que c'est quand même un récit autobiographique, donc ça touche forcément quand on sait que c'est la vérité. Oui, c'est ce que m'ont dit les quelques personnes qui l'ont déjà lu. Ouais, ouais. Donc c'est quelque chose d'assez prenant, effectivement, puisque c'est une histoire vécue. Alors, commençons par le commencement. T'es pas seulement écrivain ? Non, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Alors, si j'ai bien compris, au départ, t'es prof de physique-chimie. Oui, c'est ça. Ensuite... T'es passé par les profs de danse ? J'étais prof de danse, effectivement. J'ai enseigné beaucoup de choses dans ma vie. Hein. J'ai enseigné les sciences, la danse, la musique, d'autres petites choses encore. Quoi d'autre ? Quand tu dis encore, c'est quoi ? Non, ce sera tout. Ah bon, d'accord. Alors, prof de salsa, en danse, c'est salsa, c'est ça ? Voilà, salsa, danse latine, bachata, merengue, cha-cha-cha, kizomba, un petit peu tout ce qui peut se danser dans les soirées latines. Bah, c'est sûr qu'en lisant ton bouquin, on apprend pas mal de choses sur ta façon de voir aussi la danse, les méthodes que tu as mises en place et que tu as créées pour apprendre même aux gens qui sont arythmiques à savoir danser. Oui, c'était un de mes challenges au niveau pédagogique. Réussir à faire passer ce qu'on appelle le sens du rythme, que beaucoup de gens pensent comme quelque chose d'inné. Ouais. Donc moi, je défends la thèse selon laquelle le sens du rythme n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour preuve, j'ai développé des méthodes qui permettent de le mettre au point et de le travailler. Et mes méthodes fonctionnent. Tu as des exemples là ou pas ? J'ai quelques élèves donc qui font partie de ces gens qui se disaient totalement arythmiques, c'est-à-dire pas capables de mettre deux pieds de suite sur les temps, même sur de la techno. Ouais, ouais. Et je réussis à les faire danser sur les temps, sur de la salsa, en 2 ou 3 mois. Et qu'est-ce qui fait que ça change alors, sans savoir. Alors, on a le droit de divulguer un peu la solution, c'est quoi la potion magique, c'est quoi ? C'est plus compliqué qu'une potion magique, c'est une méthode et c'est surtout beaucoup de savoir-faire et d'analyse, puisque ça nécessite de bien comprendre comment fonctionne la personne, pour savoir quelle est la méthode la plus efficace pour lui apporter ce dont elle a besoin. Eh ben dis donc, ça veut dire que c'est très personnalisé alors. Voilà, c'est quelque chose de personnalisé. Effectivement, souvent dans le cas des personnes arythmiques, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de pédagogie globale qui leur convienne. Et il suffit de comprendre comment ces personnes-là fonctionnent et elles arrivent à prendre le rythme comme n'importe qui d'autre. Bah écoute, moi je suis content de le savoir. Moi j'ai toujours dansé un petit peu bien, donc je me dis pas que ça marche pour moi, mais c'est clair que je connais des gens qui savent pas danser. Hein. Et c'est vrai que le problème pour un danseur, c'est d'être arythmique. Hein. Et oui, le rythme, je pense que c'est une des premières qualités du danseur. Et c'est vrai que quand on n'a pas le sens du rythme, c'est difficile d'apprendre à danser. Bah, comment tu fais pour leur apprendre à retrouver ce sens du rythme ? Alors, tu as décomposé carrément les solfèges des musiques cubaines en salsa pour comprendre comment marchait la musique. Oui, effectivement, j'ai beaucoup étudié les musiques salsa, latino. Moi-même, en tant que musicien, j'ai une formation en jazz qui m'a permis d'avoir une meilleure approche des notions comme les temps faibles ou les syncopes. Et qui sont extrêmement présentes aussi dans la salsa. Et donc ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de mal, par exemple, à ressentir le 2, des petites choses comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui commencent la salsa sur le 1 et d'autres qui commencent sur le 2. Hein. Sur le 2, voilà.
Bon, une fois qu'on a bien compris comment fonctionne la musique salsa, c'est plus facile de comprendre d'une part comment danser dessus et d'autre part pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à trouver les temps. Et à partir de là, c'est le point de départ de ma pédagogie, on va dire. Alors ça veut dire que maintenant, en termes de pédagogie, tu as complètement arrêté l'enseignement ou pas ? Alors, l'enseignement de la physique-chimie, oui. L'enseignement de la salsa, non, au contraire, j'enseigne beaucoup la salsa. Je donne des cours au Mans tous les jeudis soirs avec une association qui s'appelle la Salsita. Association qui est absolument charmante, sympa, accueillante. Donc si vous m'écoutez, vous qui habitez au Mans et qui ne dansez pas encore, allez danser la salsa à la Salsita, ça vaut le coup. Et puis sinon, je donne assez régulièrement des stages dans pas mal de villes en France ou en Europe. Bon, moi ce que je propose pour faire une petite pause dès le départ et pour montrer un petit peu ton savoir-faire en temps de danse, c'est de montrer la vidéo qui avait été tournée au Badajo il y a quelques mois, qu'on avait tournée ensemble, où tu étais plutôt bon et franchement ça m'a bien épaté avec ton mélange dans ton spectacle qui mélange à la fois la musique et la danse corporelle, on va dire. Donc je vais lancer cette petite vidéo, on se retrouve juste après. Voilà. Alors il faut juste que je l'envoie. Hein. Il faut juste que je l'envoie. Voilà. C'est parti. Ce soir, on a la chance d'avoir parmi nous Tinan. Tinan, c'est un danseur, c'est un chorégraphe, c'est un musicien, c'est un écrivain. Il va nous faire un petit show, alors je vous invite à laisser un petit peu de place au milieu. Thank you.
à Tinan. Vous retrouverez la vidéo. Vous retrouverez la vidéo de ce show sur buenafiestatv.com. Sur buenafiestatv.com. Hola a todo el mundo. On est ici chez Balladio pour la soirée des mardis soirs. On est aussi avec Tinan. Bonsoir Tinan. Bonsoir. Alors Tinan, c'est un chorégraphe, c'est un danseur, écrivain, musicien. Tu peux nous raconter un peu de toi? Je sais que tu es haïtien. Oui, effectivement, donc je fais pas mal de choses. Donc je suis avant tout danseur et professeur de salsa. Je suis aussi chorégraphe et coach pour des compagnies de danse, en salsa principalement. Je danse également dans une compagnie, la compagnie Alamat, basée sur Rouen, qui réalise un show revue cabaret qui est excellent et que nous allons faire tourner prochainement dans la région de Rouen. Je joue également du saxophone dans un groupe de soul qui s'appelle Radek Azul Band et je vous conseille très vivement d'acheter le deuxième album de Radek Azul Band qui s'appelle Things You Don't Know. Et donc je suis également écrivain puisque je viens d'écrire un livre sur Haïti et sur l'adoption qui sera publié chez Alma Éditeur à la rentrée vers septembre-octobre. Ah, c'est bien. Alors donc tu as écrit un livre Oui, c'est un livre qui parle d'adoption. La base du livre c'est et on peut dire autobiographique. Mon vécu est en fait un prétexte pour parler de choses essentielles comme l'adoption et toutes les problématiques liées à l'adoption, les abus, le trafic d'enfants. Donc c'est un livre assez poignant parce que c'est quelque chose de vrai, c'est un témoignage et c'est surtout l'occasion de faire parler de sujets dont on ne parle pas assez à mon avis. Oui, t'as raison. Donc le titre n'est pas encore connu, il sera fixé bientôt. En tout cas, le livre sera publié chez Alma Éditeur. Quoi ? Alma Éditeur. Voilà, à la rentrée en septembre ou en octobre. D'accord, merci. Alors, ce soir, tu as donné un show ici, à Balladio. Alors, comment tu te sentais pour le show ? C'était bien pour toi ? C'est la première fois que tu viens ici ? Non, ce n'est pas la première fois que je viens ici. J'aime beaucoup la scène du Balladio. Déjà, c'est un endroit assez unique. La déco, années 1930. Une très belle salle. Très bonne qualité de son. Et en plus, cette nouvelle soirée de David l'artiste et Pierre est à mon avis une grande réussite parce qu'elle a réussi à garder le côté authentique et convivial que la salsa a tendance à perdre dans beaucoup de soirées parisiennes. Donc je me sens bien au Balladio, c'est un endroit qui est simple et où l'ambiance est bonne. Oui, c'est vrai, ça passe super bien ici dans les soirées. Bon, alors comme on a dit, tous les mardis ici à Balladio, à partir de 19h30 jusqu'à 12h du matin, on fait la fête avec David et l'artiste Tinan. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Buena Fiesta TV. Salut. Eh bien, on est revenu. On est avec mon invité Tinan. Moi, je suis super content de t'avoir hein, parce que là, on s'était vu il y a quelques mois, on s'était dit bon, bah, il faut lancer le livre bientôt. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Donc, moi, je suis content que tu sois venu me voir. Le livre, donc, on en a parlé vite fait. On va encore en parler bientôt. Il sort donc demain. C'est ça. Donc, 6 octobre. En grande surface. Voilà, donc il sera disponible dans toutes les librairies, y compris Fnac, Virgin, ouais. Grande Surface, etc. Bon, bah, super. Écoute, moi j'aurais voulu en savoir un peu plus sur toi. J'aimerais te poser des questions. Donc on va jouer un petit jeu avec des questions. J'espère que les questions ne vont pas te déranger. Alors attends, bouge pas. Je m'attends au pire. Non, faut t'attendre au meilleur. Faut t'attendre au meilleur. Alors, ma première question. C'est un questionnaire que j'appelle Yin-Yang. L'un ou l'autre. Pour apprendre à mieux te connaître. Dis-moi, es-tu plus scientifique ou maintenant littéraire ? Toujours scientifique.
Ah ouais ? Ah bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était bien écrit ton bouquin quand même. Hein. C'est ce que m'ont dit plusieurs personnes, à commencer par mon éditeur, et puis une amie qui est professeure de français qui l'a lu. Disons que j'ai pas cherché à faire du style littéraire, j'ai surtout cherché à exprimer les choses de la façon la plus simple qui soit, la plus spontanée. Il y a quand même pas mal de vocabulaire, hein, quand même. Il y a des mots qui sont assez cherchés, la répétition est évitée. Non, il y a quand même du bon boulot. T'as pris beaucoup de dictionnaires, t'as cherché comment Alors, au début, j'ai écrit vraiment de la façon la plus spontanée possible. Et puis, effectivement, au fil des relectures, j'ai peaufiné, j'ai amélioré, mais j'ai pas vraiment cherché à trouver les mots les plus soignés ou les plus recherchés. Je me suis plutôt attelé à trouver le mot le plus juste, parce que je suis un amateur de précision et d'exactitude. Alors, c'est le côté scientifique, ça. C'est mon côté scientifique. Ouais. Encore. C'est vrai que parfois, j'ai pu chercher pendant 2 heures le mot que je voulais, revérifier le sens dans plusieurs dictionnaires pour comparer, pour être sûr que c'était le bon. Bah, écoute, ça a bien marché, parce que moi, j'étais vraiment impressionné par cette écriture. Tout à l'heure, je vais vous lire un petit passage pour illustrer ce dont je parle. On va continuer avec les questions pour mieux te connaître. Plutôt chien ou chat ? Ouh. Alors, on parle de l'animal domestique, mais on peut aussi parler du comportement. Oui, oui, c'est ce que j'imaginais. Alors, plutôt chien ou chat ? Plutôt chat. C'est-à-dire plutôt indépendant, faut pas te casser les pieds, tu fais ce que tu veux, tu vas chercher des petits câlins pour avoir à manger. Exactement, bah, tu as à peu près tout résumé. Surtout le côté liberté et indépendance, je pense que c'est ça qui prend le dessus. Ouais, mais je comprends. Une autre question. Alors, question. Homo ou hétéro ? Résolument hétéro. Bon. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? T'es célibataire en ce moment pour nos auditrices là ? Je ne parlerai pas de, de cela. D'accord, ok. Mais, bien tenté. Non, mais écoute, dans ton bouquin, tu parles quand même facilement de ta vie personnelle. On voit un petit peu tes déboires amoureux parce que ta copine de l'époque avait du mal à suivre un peu toutes tes histoires. C'est vrai que je parle de beaucoup de choses dans mon livre. Parce que c'est essentiel pour faire passer un message qui va au-delà. Mais d'ordinaire, je parle assez peu de toi, de moi. Bah, il paraît que vous êtes timide dans vos amis. Oui, en fait, je suis plutôt timide, contrairement aux apparences. Ouais, c'est comme Michael Jackson, quoi. Tu exposes sur une scène, et puis dans la vie privée, t'es plutôt réservé, timide. Oui, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Ce qui fait que j'aime la scène, c'est aussi le fait que ce soit un milieu où j'arrive à oublier ma timidité pendant un moment. Ok, encore une autre question. Sel ou sucre ? Plutôt sucre. Ouais ? Oui, j'aime bien tout ce qui est pâtisserie. Gâteau, pâtisserie. Ouais. Pourtant, t'as encore bien fait, ça va. Hein, Ah, c'est parce que je bouge beaucoup. Ouais. Ben, je danse tout le temps. Bah, moi aussi, mais pourtant, je grossis. Hein. Non, t'as de la chance, t'es bien fait, c'est bien. Alors maintenant, physique ou chimie ? Plutôt physique, bien que j'aime beaucoup la chimie, mais j'ai étudié davantage la physique. Le domaine qui m'intéresse le plus, c'est l'astrophysique. Ouais. Ah d'accord. Et je suis toujours passionné. Oui, j'ai vu que t'aimais voir les étoiles. J'adore observer les étoiles. C'est mon côté rêveur aussi. Oui, bah c'est ça. Ouais. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, quoi. Cela dit, j'aime bien la chimie aussi. J'aimais beaucoup les expériences. Que je pouvais faire quand j'étais à l'école, et en tant qu'élève et en tant que professeur, les solutions qui changent de couleur, ça m'a toujours fasciné. Ouais, c'est marrant, c'est mon côté enfant. C'est un peu le côté magicien, quoi. Et voilà, c'est le côté magique. Ok, alors une autre question. Alors, musique classique ou jazz ? J'ai le droit de dire les deux ? Je savais que sur celle-là, ça marcherait, ça. Tu peux dire les deux ? Oui, vraiment les deux. Alors, plus que la salsa encore ? Alors, c'est plus pour jouer ou pour écouter ? Alors, il y a plein de questions à la fois. Alors, je reprends dans l'ordre. Musique classique ou jazz, ça dépend vraiment des époques, des compositeurs, des styles, des interprètes. Donc, c'est extrêmement variable. Ouais.
Plus que la salsa, j'ai envie de dire, même quand j'écoute de la salsa, je l'écoute avec l'oreille de quelqu'un qui connaît pas mal le jazz. Et en fait, la composante jazz dans la salsa, elle est énorme. Mmh. Donc, j'aurais pas envie de faire une coupure franche entre jazz et salsa, même si ce sont deux musiques différentes. Quelque part, si on aime le jazz, il y a des petites choses qui doivent nous plaire forcément dans la salsa. Je comprends. Et ensuite, pour jouer ou pour écouter... Ouais. C'est toi, pareil. Tu fais quoi comme instrument? Alors, j'ai vu que tu faisais du saxo, ça tout le monde le sait, voilà, tout le monde l'a vu. Je joue surtout du saxophone, ouais. Je joue aussi du piano. Du piano. Je t'ai vu, je crois, sur YouTube avec une reprise de Ziggy, un truc comme ça, je crois. Oui, ça doit être ça. Alors, je me suis dit, est-ce que je la montre, celle-là, ou pas? Bon, les curieux iront eux-mêmes voilà, découvrir. Donc, effectivement, je joue du piano, et puis bon, j'écris de la musique de temps en temps, j'arrange des morceaux. Ah, t'as écrit quand même pour des gens. Oui, je suis pas vraiment compositeur, mais on va dire que je suis arrangeur, c'est-à-dire je sais assez facilement adapter quelque chose que quelqu'un a écrit. D'accord. Oh, bah, c'est bien tout ça. Hein. Alors, ensuite, autre question. Athée ou religieux pratiquant? Ou sans être pratiquant religieux? Alors, je m'y attendais à celle-là. Ah, c'est pas pour autant que j'ai prévu la réponse. alors, je vais dire athée, bien que le mot ne résume pas tout. Non. C'est-à-dire que c'est surtout que... j'aurais pu dire agnostique, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Disons que je n'appartiens à aucun système de pensée, ça c'est sûr. Donc, si je crois à une entité supérieure... cette entité supérieure ne correspond à aucune des religions qui existent et qui soit connue déjà, expliquée en tout cas telle quelle quoi. Ou, voilà, si je devais croire en un dieu entre guillemets, ce serait mon dieu à moi et probablement celui de personne d'autre. On a le même dieu alors. J'aime bien son alors, dieu. Après, je sais pas à quoi ressemble le tien, mais il a moins de cheveux. Hein. Le mien, je sais pas, ce serait peut-être la nature ou la science ou l'univers. On en parlera hors antenne parce que je pense qu'on a pas mal de choses à exprimer aussi. À ce sujet. Ou alors ça sera le plaisir d'avoir une prochaine émission en ta compagnie pour parler de ce genre de sujet. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets à aborder, donc on va continuer avec d'autres questions. Haïti ou France? Parce que faut un petit peu expliquer pourquoi je dis ça. C'est vrai que dans le livre, on peut dire clairement que ça parle de cette fracture, cette rupture qu'il y a dans ta vie entre la vie que tu as eue en France et celle que tu n'as pas eue et que tu as découverte sur le tard en Haïti. Effectivement. Ça veut dire que si on peut quand même raconter un peu l'histoire du livre sans dévoiler tout ce qui va être à dévoiler, on part d'une adoption. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément lire la dernière de couverture. Je trouve qu'elle résume bien, oui, le truc. Alors. Donc, le titre s'appelle Magnitude 7.3. Tinan a 4 ans et demi lorsqu'il découvre le sol français. Il vient d'être adopté. 18 ans plus tard, il part pour Haïti rencontrer sa famille. À la joie immense de retrouver sa mère et toute sa parentèle, s'ajoute la découverte d'un pays, d'une culture et d'une langue qu'il tente de se réapproprier. Mais comment vivre en étant de deux mondes? Comment admettre que si l'amour des siens en France lui semble corrompu, en Haïti, il apparaît souvent dénaturé par l'égoïsme ou l'intérêt? Avec beaucoup de pudeur et une grande lucidité, Tinan raconte ce voyage, cet apprentissage, le mélange d'enthousiasme et de doute, au terme duquel il affirme son identité, plus qu'un pays. Excusez-moi, mais la typo est super belle, mais elle est difficile à lire en fait, parce qu'il y a des points qui ressemblent à des virgules. Alors, plus qu'à un pays, il s'appartient à lui-même et son avenir, il le construira loin des mensonges, quel qu'en soit le prix. Alors, c'est vrai que cette dernière de couverture, elle est, je la montre à l'image, hein, elle est très explicite d'une fracture. Cette fracture, elle est expliquée ou du moins interprétée dans ce livre qui ressemble beaucoup à un parcours initiatique, à une recherche de soi dans le voyage. Et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus par rapport à ça. Je te lance sur un super sujet là. Oui.
Alors, la question initiale, c'était plutôt France ou plutôt Haïti. Oui. Au départ, c'était France, parce que lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans et demi, très rapidement, j'ai été totalement assimilé à la culture française. J'ai parlé uniquement français, j'ai perdu très vite le créole. J'ai essayé de m'adapter, on va dire, le plus vite possible. Oui, puis tu as changé de prénom aussi. À la France, voilà, j'ai changé de prénom. Sur ton prénom d'origine, c'était... Mon prénom d'origine était Manassé. Voilà. Et puis, arrivé en France, je me suis appelé Christophe. Donc, changement brutal de... On t'a demandé de choisir ou on t'a imposé ce prénom ? On me l'a imposé. D'accord. Et puis, en grandissant, j'ai senti de plus en plus le besoin de rechercher mes racines, ce qui fait que le côté Haïti a de plus en plus pris le dessus, jusqu'à ce que je me sente poussé à y retourner, à rechercher ma famille biologique. Et puis, petit à petit, lorsque j'ai réussi à retrouver ma famille, que j'ai rencontré quelques bonnes choses et quelques difficultés que je raconte dans le livre, je me suis rendu compte... Alors, il faut aussi dire, je te coupe pour faire une parenthèse, oui. T'as une grande famille. Oui, j'ai une très, très grande famille. Il y a beaucoup de pages dans le livre, en fait, qui sont consacrées aux frères, aux cousines... Voilà, j'ai découvert un univers familial... absolument phénoménal. Et puis, petit à petit, les difficultés se sont accumulées d'un côté et de l'autre, du côté français et du côté Haïti. Et je me suis aperçu que finalement, mon identité était ailleurs. T'en dis pas assez, là. Il faut lire le livre pour comprendre plus en détail. Ok, je comprends très bien. Une dernière question qui est plus anecdotique qu'en rapport direct avec le livre, c'est plutôt Mac ou PC ? Alors plutôt PC, mais c'est juste une question d'habitude parce que dans le fond, moi j'aime bien Linux, mais j'ai juste pas eu assez de temps pour m'y coller, pour être très à l'aise avec. Donc je pense que le jour où j'aurai du temps, je me mettrai à Linux. D'accord, très bien. Bah écoute, ce petit questionnaire spécial Yin Yang, comme je l'appelle, il vient de se finir sur cette question-là. J'aurai d'autres questions à te poser après sur un autre questionnaire. Ce que je propose pour l'instant, c'est de lancer un nouveau sujet. Donc, tu m'as apporté un film, un court-métrage dans lequel tu joues, tu danses, c'est les deux, non ? Je danse surtout. Tu danses surtout, donc on va lancer ce sujet-là et puis on se retrouve après. D'accord ? Alors, il faut juste que ma technique soit prête. Alors. Oups. J'arrive, chers amis, chers auditeurs. Je suis aussi comme Tinan. À multiples facettes, mais là, je gère tout seul. Voilà. C'est parti. Non mais qu'est-ce que tu fous là avec ta sapilière ? T'as pas vu qu'il y a des clients qui attendent ? Incroyable ça. Avec tout ce qu'on dépense pour elle, faut toujours qu'elle traîne. Allez, du nerf ! Pas que ça à faire là !
matin je te touche avec les yeux. Ce corps dans l'écho m'indique les règles du jeu. L'atmosphère est torride, je m'abre peu à peu. Ton sexe a pu être à l'origine du feu. Essayant de subtiles ondulations, en contrôlant mes émotions, submergées par de sensations. Quelle heure je te dis? Oh, bah, j'en sais rien, moi. 7 heures, pourquoi? 7 heures? Et c'est l'heure qu'elle a donné son cours de danse, là. Hé, la môme, les clients attendent. Il faudrait peut-être penser à t'agiter, là, hein? Ouais, t'as plutôt intérêt à sourire, ma mignonne. Bravo, c'est excellent. Danse pour moi. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi ce bordel? J'y crois pas, on peut pas la laisser de mettre toute seule, celle-là. Faut déjà qu'on te moute le souk. Eh ben ça doit pas durer, hein. On va régler ça une fois pour toutes. Eh ben nous revoici en direct avec Tinan, qui est donc mon invité. Alors Tinan, bah, c'était sympa ce petit court-métrage. Oui, c'est un court-métrage réalisé par Franck Rosier. Ouais. C'est un de ses premiers court-métrages et ouais. Je pense que ça promet, quoi. Ah, c'est pas mal, ouais. En plus, j'ai vu, il y avait le maître de Cassav, il y avait voilà, Sœur Jacob Desvarieux. Ouais. Et Sir Wesley. Voilà. Ouais. C'est le clip de la chanson Danse pour moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien la musique en plus. Moi j'aime bien tout ce qui est latino-caribéen, forcément. Forcément. Alors, maintenant on va passer à d'autres questions pour mieux te connaître encore plus. Des questions indiscrètes que j'appelle. Oula. Ouais, elles sont pas si indiscrètes que ça. J'ai le droit de ne pas répondre. Alors t'as le droit à un joker. Ok. Par question. Je suis sympa. Ah, non, ouais. Le but du jeu, c'est quand même d'apprendre à nous connaître. Donc, alors, la première question. Quelle est ta couleur préférée? Rouge. Pourquoi le rouge?
T'as une idée que... pour voir ça ou c'est juste comme ça? Tu ressens le rouge comme ça ou qu'est-ce que... Parce que c'est une couleur qui est vive, qui est flashy, qui est, ouais, c'est sûr, hein. Qui est sympa et qui est très scénique. Ah, mais c'est aussi sanglant. Hein. C'est aussi sanglant. moi, je pense au côté ouais, scène. Et latino, le rouge, voilà, ça pète. Quoi. Ça va bien avec ouais, c'est sûr. L'Amérique latine. Ah, c'est clair. Alors ensuite, autre question. Quel est ton film préféré? T'aimes le cinéma ou pas? J'aime bien le cinéma. J'avoue que j'ai pas énormément le temps de m'y intéresser. Ouais. Parce que je fais déjà un petit peu trop de choses. Ouais. Mais j'aime bien le cinéma. Tu serais prêt à jouer dans des films? Parce que là, je te vois dans un court-métrage en tant que danseur, mais tu t'imagines jouer ou tu sais jouer ou la comédie ou pas? Pourquoi pas? Je sais un petit peu. J'en ai fait un peu quand j'étais petit. Ouais. J'ai pris des cours d'expression un peu plus tard. Effectivement, ça m'intéresserait de. Alors, ton film préféré, t'en as quand même un en tête ou pas? La ligne verte. Ok, pas mal. Bon, c'est pas un film très drôle. Là, c'est pas l'une des comédies les plus romantiques ou les plus marrantes, mais ça correspond bien ton personnage, quoi. Parce que, en même temps, on peut le dire, ton livre non plus n'est pas très drôle. Faut pas dire ça. Il y a des passages drôles quand même, n'est-ce pas? Je vais lire un super passage drôle. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, même si effectivement. On est sur un pays qui est quand même vachement difficile à vivre, quoi. C'est sûr, la toile de fond, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. C'est un pays du tiers-monde. Je parle d'adoption, je parle de choc des cultures, je parle de déracinement. Ce sont des sujets un petit peu difficiles. De fracture amoureuse. De fracture amoureuse également. Mais bon, je parle aussi de choses plus légères, de choses comme on en rencontre un petit peu partout dans sa vie, là où on s'y attend pas. Écoute, moi je vais justement te poser une autre question. On parlait de fracture amoureuse. Est-ce que tu te rappelles du nom de ta première ou de ton premier flirt? Alors, t'entends quoi exactement par flirt? Bah, c'est justement l'ambiguïté de la question. Alors, si tu me parles d'un premier flirt à 2 ans, je te crois pas. Hein. Alors, mon premier bisou sur la bouche, c'était. C'était Natacha à l'école primaire. Ah, quand même. Au CP. Ah, il s'en rappelle bien. Hein. Ah, je me rappelle, c'est des souvenirs qui marquent. Ah, c'est bien, c'est bien. Natacha, si tu vois, je te fais un petit coucou. Et je dis bonjour aussi à tes enfants. Ah, c'est cool. t'as gardé des nouvelles? Ils sont pas les miens, je précise. T'as gardé des nouvelles d'elle ou pas? Oui, j'ai gardé des nouvelles d'elle. Okay. Et on se donne des nouvelles de temps en temps. Donc ah, mais c'est sympa, ça. Alors, la dernière question, bah, en fait, t'as déjà répondu à peu près tout à l'heure, c'est es-tu célibataire? Et il insiste en plus. Alors c'est là que t'as le droit de sortir ton joker. Hein. Joker. C'est là. Bon. Ça c'était les questions indiscrètes. Je n'ai pas été très loin dans l'indiscrétion. Hein. Ça va. Bon, je vais profiter donc de ces questions indiscrètes pour lire un passage que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin. Alors. Je t'écoute. Je vais essayer de lire mieux que j'ai lu tout à l'heure. Alors. Donc c'est à la page 144. Donc il faut un petit peu résumer la situation. Tinan part en Haïti. Il découvre sa famille d'origine, puisque étant parti pour des raisons qu'il explique très clairement et qu'il ne faut pas dévoiler avant la lecture, il était adopté en France, donc il a besoin de retrouver ses racines, donc il part en Haïti, il découvre toute sa famille, et puis là il se trouve une mission, je vais l'appeler la mission des 40, tiens. Ça me rappelle une série télé. Il se trouve une mission, et on peut en parler ou pas? Oui, brièvement. Alors, vas-y, je vais te laisser en parler avant de lire, vas-y, je t'écoute. Disons que lorsque je suis retourné en Haïti, l'une des choses que j'ai découvertes, c'est la vérité sur mon adoption, qui est en fait, on va dire, une chose malheureusement, qui a l'air malheureusement banale en Haïti, c'est une sorte de trafic d'enfants sous couvert d'adoption, c'est-à-dire du côté français, tout ressemble à une adoption en règle. Du côté haïtien, on s'aperçoit que y a eu des magouilles. Ouais, mais faut préciser alors, parce que à l'arrivée, quand tu dis ça, on pourrait croire que il y a un des parents, que ce soit l'adoptif ou la mère d'origine, a été pris en,
on va dire, pris dans le système de la magouille. Mais non, en fait, aucun n'est au courant. Aucun n'est au courant. Et ce qui est compliqué dans le milieu de l'adoption, c'est le nombre d'intermédiaires. Et ça devient très difficile de savoir à quel endroit l'un des maillons de la chaîne... Donc en gros, si on résume, ça veut dire que ta mère adoptive française a fait toutes les démarches pour récupérer un enfant qui est né d'Haïti. Donc elle l'a eu en pensant que c'était un enfant qui était peut-être sans famille ou prêt à l'adoption. Exactement. Et puis de l'autre côté, ta maman d'origine t'a mis dans un... On peut dire une crèche. Voilà, une crèche, en pensant que ce serait temporaire, le temps qu'elle puisse financièrement retrouver une certaine stabilité qu'elle n'avait plus à ce moment-là, pour des raisons qui sont expliquées dans le livre et qui sont très claires. Et à ce moment-là, ta mère, qui pensait te récupérer plus tard, se rend compte qu'en fin de compte, tu as été volée par le système d'adoption et que tu es parti en France alors qu'elle pensait te revoir dans quelques mois, quoi. Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que tous les enfants qui étaient dans cet établissement en même temps que moi, une quarantaine d'enfants, donc ont subi la même mésaventure en même temps. Voilà, ce qui fait que personne n'est au courant, ni chez les Français, ni chez les Haïtiens, qu'ils allaient rompre avec leur famille d'origine et ça allait créer un malaise qui n'était pas prévu, quoi. Exactement. Et donc, ma mission... c'est de retrouver ces 40 enfants. Voilà, ça fait partie d'une des belles missions du livre. Quoi. Exactement. Parce que c'est pas la seule. Et donc, dans les autres missions, on voit aussi que tu t'occupes pas mal de ta famille, tu essaies de bien t'occuper de leur éducation. Alors, c'est une éducation culturelle, liée à... Alors, tu es déjà prof de physique chimie, donc tu continues à être prof de physique chimie, tu deviens prof d'anglais, prof de français, prof de salsa... Disons que j'ai enseigné tout ce qui pouvait leur servir, tout simplement, pour les aider à eux et avancer, quoi. À vivre, à s'en sortir en Haïti. Ouais, tu les aides aussi financièrement pour pouvoir mettre en place leur vie avec les études. Voilà, c'était surtout ça l'essentiel, c'était d'aider mes petits frères et sœurs à pouvoir étudier correctement pour avoir une bonne situation, pour pouvoir faire la différence en Haïti. Donc là, on arrive à ce moment-là du livre où justement tu pars. Alors là, c'est pour Miami, pour voir la famille et pour faire une... En fait, c'était juste une escale. Voilà. Oui. Comme souvent, voilà, pour aller en Haïti, il faut faire une escale à Miami. Exactement. Donc, tu fais une escale à Miami. En même temps, tu vas pour faire une... Je ne sais pas si on va dire ça, un colloque ou une... Enfin, quelque chose pour parler du sida. Oui, en fait, c'est en Haïti que j'ai parlé du sida. Mais effectivement, j'avais avec moi... tout le matériel nécessaire. Voilà, donc là on est là dans le livre et je vais vous lire cette partie-là. Alors, je vais peut-être te mettre toi en vidéo, ce serait plus sympa que moi. Alors. Il ne me reste plus qu'à prendre les transports en commun chargés comme un mulet. À l'enregistrement pour Miami, un agent vérifie mon passeport. Il trouve étrange qu'un Français, né en Haïti, parte en vacances avec deux bagages aussi gros. Qu'allez-vous faire là-bas? Voir ma famille et donner une conférence sur le sida. Il décide de fouiller mes bagages, j'ouvre ma valise et, bien entendu, comme elle est pleine à craquer, des centaines de tracts et de préservatifs se répandent sur le sol. Et me voilà à quatre pattes en train de les ramasser. Les voyageurs interloqués me fixent avec étonnement. Si je pouvais m'enfoncer dans un trou très profond, je le ferais. Pour ne pas perdre la face, je choisis de lancer des clins d'œil lubriques à tous ceux qui me regardent. La scène se reproduit lors de mon arrivée à New York, où je me fais de nouveau contrôler, cette fois, l'une des boucles de ma valise cède. Heureusement que j'avais prévu une sangle. Bon, je trouve ce passage assez drôle, surtout, alors sans esprit mal placé, mais quand même, je trouve que le mot est bien choisi. Si je pouvais m'enfoncer dans un trou très profond, je le ferais. Ça, j'adore quand on parle de capote. Ça, excuse-moi, mais je pouvais pas faire autrement. Hein. Alors, j'avoue que j'avais pas du tout pensé à ça. Ah, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il a eu ce jeu de mots dans la tête pour pouvoir amener cette réflexion? Non, je pensais plutôt à un rongeur poursuivi par un prédateur qui essaye de se planquer. Alors là, t'es passé par New York parce que t'avais aussi une autre escale à New York ou c'était... En fait, pour aller en Haïti, il faut faire une escale soit à New York, soit à Miami. C'est possible aussi par Fort-de-France, mais... Quand on va en République Dominicaine, on passe directement par la République Dominicaine. Oui, c'est juste du fait que, si tu veux, en République Dominicaine... Ils ont un aéroport plus important, non, c'est ça? Comme il y a beaucoup de touristes, il y a des vols
charters assez fréquents et qui sont à prix abordable. En fait, pour aller en Haïti sans escale, les vols sont à des prix exorbitants parce qu'il y en a trop. Donc, il vaut mieux passer par le parcours américain et repasser par l'Haïti. Voilà. Bon, il faut savoir aussi que si tu prends une ville comme Miami, par exemple, il y a énormément d'Haïtiens là-bas. Donc, ce qui explique qu'il y ait suffisamment de vols Miami-Haïti. Ouais, je comprends, ouais. Donc voilà, bah, c'était quand même pas mal drôle cette partie-là, j'ai trouvé ça très, très, très sympa. Il voilà, y a d'autres passages drôles. Oh, oui, c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. Et c'est vrai que moi j'aimerais te poser une question un peu plus énigmatique et personnelle, qui correspond en fait à la fin de ton livre, sans raconter la fin, je pense que tu peux quand même nous en parler. Aujourd'hui, tu es qui ? Manassé ? Christophe ou Tinan ? Alors, aujourd'hui, c'est sûr, je suis Tinan. Cela dit, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle Manassé ou Christophe. Mais pour moi, je suis Tinan. Je ne peux pas expliquer pourquoi sans raconter alors, tout le... L'idée, c'est ça, c'est de dire que dans le bouquin, c'est expliqué pourquoi tu es Tinan. C'est expliqué. Alors, Tinan, c'est un surnom. Tinan, c'est un surnom, c'est mon surnom haïtien. Voilà. Et dans le livre, on explique que c'est plus qu'un surnom. C'est beaucoup plus qu'un surnom. Voilà. Je pense que j'ai bien expliqué la chose. Exactement. Bon, d'accord. Je comprends bien le truc. Bah écoute, on arrive bientôt au terme de cette interview. C'est passé vite. Ah ouais, c'est passé vite. Hein. Moi, je trouve qu'on s'est bien démerdé. On a une belle émission, pleine de belles choses à raconter. C'était super intéressant. J'aimerais que tu me parles un peu plus de ta promotion pour ton bouquin et de ce que tu fais en ce moment, par exemple. Alors, en ce moment, je me prépare à quelques séances de dédicaces, des rendez-vous avec des journalistes sur différents médias, par exemple sur Buena Fiesta TV. Ah bah voilà. Et notamment... Je vois que t'as un papier là, avec toi là. Un petit papier que voilà. Donc je vous le résume, c'est une petite invitation pour une séance débat, dédicace, lecture à la librairie Gallimard, boulevard Raspail. L'adresse exacte, c'est 15 boulevard Raspail, métro Rue du Bac. Et ça aura lieu... Dans quel arrondissement de Paris ? 7e arrondissement. Donc vendredi 14 octobre de 19h à 21h30. Ah, donc vous y êtes nombreux. Et puis pour les gens qui ne sont pas de la région parisienne, je serai aussi prochainement à Pau, mercredi prochain, la librairie de l'espace culturel Leclerc, à 18h. Ainsi qu'à Marseille, à la librairie Maupetit, samedi après-midi et au festival Les Littorales, dimanche toute la journée. Donc ça c'est Marseille, la semaine prochaine. Eh ben, dis donc, voilà, tu veux commencer à voyager toi, hein. Tu bouges déjà pas mal avec la salsa et puis avec les voyages en Haïti, à Miami, en Cuba, parce que j'ai vu que tu étais parti aussi à Cuba. Voilà, je bouge pas mal. Ça bouge là, hein. Je comprends que t'es pas en train d'avoir une copine. Hein. Enfin, t'as rien dit. En même temps, t'as rien dit. Hein. J'ai rien dit. juste par rapport aux infos pour les dédicaces, etc. J'ai à peu près tout résumé sur mon site www.tinan.fr. Donc, toutes les dates, ils sont normalement sur la page d'accueil. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver. Ok, bah c'est super tous ces trucs-là. Vous pouvez aussi trouver les informations sur le site de Alma Éditeur, alma-éditeur.fr. Donc c'est un nouvel éditeur, hein, tu m'as dit ? Voilà, c'est un nouvel éditeur que j'ai choisi parce que déjà, il est sympa, il est chouette. Ouais, bah, c'est déjà et ça. Et puis parce qu'il m'a autorisé une grande liberté d'écriture, notamment sur la forme que devait prendre mon récit. Et du coup, moi qui ne suis pas écrivain à la base, c'est vrai que c'était appréciable de me dire que je ne devais pas faire entrer mon récit dans un format précis que je pouvais faire à ma façon. Et la pochette là, qu'on voit à l'écran, c'est toi qui... Alors comment ça s'est passé ? T'as eu le choix, t'as eu le droit ? Parce que souvent les éditeurs, ils te laissent pas forcément le droit de mettre ce que tu veux en couverture. Non, en fait, ils m'ont fait des propositions. Et celle-là, c'était une des premières et j'ai tout de suite adhéré. Donc d'ailleurs, la pochette a été réalisée par une graphiste qui s'appelle Angel, bravo, je te félicite. Ah, c'est pas mal. Et voilà, donc c'est effectivement surtout l'éditeur qui s'occupe de la pochette, mais bien sûr, j'ai toujours mon mot à dire. Alors moi, ce que j'aime bien aimer aussi par rapport à la promotion que tu as fait avant vente, c'est que la plupart de tes amis sur Facebook ont reçu, alors je sais pas si c'est un cadeau ou si c'est des préventes de livres, mais en tout cas, ils ont reçu pas mal de livres avant vente, et ils ont tous fait une photo qui
correspond en fait à... J'ai trouvé ça super génial, ils ont tous mis ça sur Facebook et j'ai trouvé ça génial. Alors, j'ai pris les photos de personnes, c'était ouais. Surtout parce que c'était drôle. Et donc l'idée vient de Chacha, qui est une de mes partenaires. Ouais. Chacha, si tu me regardes, je te dis bonjour et je te fais un gros bisou. Alors en fait, ce qu'ils ont fait, alors, faut que je fasse dans le bon sens, c'est qu'ils ont fait voilà. du visage, voilà, la moitié du visage comme ça, pour pouvoir... Alors je suis là, ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Ouais. Donc j'ai une moitié de Tinan. Pas mal. Et c'est vrai que ça marque bien la fracture. Ça marque bien les deux mondes. Ça marque bien les deux mondes. Voilà, c'était une belle idée, belle image. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Alors, Je pense qu'on peut me souhaiter que le livre marche. Oui, encore que mon intérêt c'est pas forcément de moi personnellement d'avoir du succès alors, à travers ce livre. Pourquoi tu l'as fait ce livre alors? Ce livre, en fait, c'est un des moyens que je mets en œuvre pour répondre à la mission dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué de chercher les 40 enfants disparus parce que j'ai passé des années à les chercher avec malheureusement très peu de succès. Et je me suis dit, c'est tellement plus simple si eux viennent vers moi. Et du coup, s'ils entendent parler d'une histoire qui leur rappelle des choses. Ah, qu'il y a une audience, si une audience, bah, les gens diront plus facilement. Donc, voilà. Quoi. Ouais. Donc pour moi, ce qui compte avant tout, c'est l'audience. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de personnes qui auront acheté mon livre, c'est surtout le nombre de personnes qui en auront parlé. Alors, est-ce qu'il y a aussi une volonté, parce que moi, comme ça, je l'ai découvert, de faire connaître un peu plus Haïti, ses problèmes, sa vie, parce que je trouve que c'est très descriptif, à la fois du style de vie, de la manière de vivre, de l'historique d'Haïti. J'ai trouvé que c'était une belle découverte d'Haïti que je connaissais mal. Oui, c'est surtout parce que moi-même, j'ai été assez surpris finalement par l'image d'Haïti qui s'est imposée à moi, qui était assez loin de ce que j'imaginais avant d'y aller. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il avait un décalage assez énorme entre ce qu'on peut s'imaginer de la pauvreté des pays du tiers-monde lorsqu'on habite en Europe. On est quand même assez loin de la réalité. Et donc je voulais, à travers mon regard, qui est à la fois celui d'un Européen et celui d'un Haïtien, essayer de remettre les pendules à l'heure pour donner juste un regard juste sur le tiers-monde et sur la pauvreté. Pas seulement sur Haïti, mais voilà, qu'est-ce que c'est que la pauvreté en vrai? Est-ce que c'est exactement ce qu'on voit dans les images du journal de 20h? Ben, pas vraiment. Et je pense que le fait de l'avoir vécu à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, ça me permet d'avoir ce regard un petit peu plus juste. Alors moi j'ai une question à te poser sur ça aussi. La première fois que tu es parti là-bas, tu es resté combien de temps? Parce que on a l'impression que tu es resté super longtemps, quoi. Je suis resté à peine un mois la première fois, mais le voyage était tellement dense, mes journées tellement remplies, qu'effectivivement ça a l'air long. Et tu es retourné plusieurs fois après? Et j'y suis retourné plusieurs fois après. J'y suis retourné qu'en 2003 et en 2007. Je devais y aller cet été, malheureusement j'ai eu quelques contretemps, mais j'irai prochainement, j'y retournerai prochainement. Bon bah écoute, moi j'ai longue vie à ton projet, longue vie et puis succès, voilà, moi je sais pas quoi dire de plus. Hein. Là on arrive au terme de l'émission avec tout ce qu'on a pu raconter de génial sur ton bouquin, sur ta vie, sur ton parcours. Est-ce que j'ai oublié des choses? Sûrement, je sais pas. Je pense que tu as dit l'essentiel, bon. Tu as posé des questions pertinentes. Donc... Il me reste à te remercier, Manikeo, de m'avoir invité sur le plateau de Buenavista TV. La vida loca. La vida loca. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol, ça veut dire juste la vie folle. Hein, je veux dire. Voilà. Bah, pour finir, j'ai trouvé sur Internet une vidéo sur ta troupe Locura de Bordeaux. Oui, alors en fait, alors, la vidéo a été faite à Bordeaux, mais Locura est une troupe parisienne. D'accord. C'est une troupe de danseurs amateurs qui m'a demandé de les aider en leur écrivant une chorégraphie et en les faisant travailler, répéter. Donc on va dire que je suis leur coach et leur chorégraphe. Si je ne me trompe pas, c'est Bordeaux Rueda Festival 2011. C'est ça. Donc là, ça doit être la vidéo de leur prestation au festival de Rueda. Tu me diras si je me suis trompé de fichier. Bah, je vais la lancer, puis je te dis bah, à très bientôt, à très vite, bon courage, bon projet, bonne chance pour ton livre. T'as du succès qui est mérité, j'espère, sur ce livre-là. Tu auras un succès mérité parce que t'as bien bossé, et puis c'est une histoire touchante, quoi. C'est un récit autobiographique.
qui est très bien écrit, on dirait un roman, hein, franchement, on attend la suite, qu'est-ce qui va se passer, tu lances des teasers derrière, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça très bien structuré, bien écrit, un beau bouquin. Voilà. Merci Manikeo. La vidéo. Jacques